Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Shadow of War. Donc je prends toujours un petit peu d'avance. Vous vous en doutez. Pour l'arrivée de Destiny et South Park. Alors principalement de Destiny quand même, je parle beaucoup de Destiny, pourquoi? Puisque j'ai... vous savez que... merde. Voilà. Hop. Parce que Destiny, vous savez, a des objectifs de haut niveau hebdomadaires. Donc quand Destiny va sortir, je vais devoir rusher l'histoire, rusher les niveaux, rusher la puissance. Enfin, rusher la lumière de mémoire, le terme. Et ensuite, avancer correctement. Pour pouvoir vous proposer le endgame en même temps que l'histoire. Donc voilà pourquoi je prends beaucoup d'avance sur d'autres jeux qui ne sont pas en ligne, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que ce jeu a quand même des fonctionnalités en ligne. Retournez voir Arachné pour en savoir plus sur ce qui menace Mina City. On sait plus ou moins ce qui menace... Alors, aujourd'hui, on est le 16 octobre. Je serais méfiant envers l'araignée à ta place. Et il fait la nuit, vous savez, c'est la tempête en Irlande et du coup l'anticyclone fait qu'il fait nuit chez nous. Chez moi en tout cas, et en Bretagne aussi d'ailleurs. Mina Sithil toujours debout. Oh mais quel altruisme. Rien de plus. La dernière vision était troublante, n'est-ce pas? Je veux savoir ce que vont me faire les Nazgûl. Ok. Regarde à ce que tu demandes, Rodeur. Je veux voir à quel point je vais être torturé, c'est débile. Viens le tourment. Et oui, le fait de savoir l'avenir est parfois la pire des choses. Soumets-toi à ton destin. Par contre, si ma tablette continue à faire bip tout le temps, ça va pas le faire. Je sais ce qui t'effraie, Talion. Les visions d'Arachné ne sont pas immuables. Le roi sorcier. Ah, je suis un peu deg. C'est le pouvoir de domination. J'ai pas mon armure. L'anneau. Vous voyez ce que je veux dire? Servir. Ils auraient pu... Que peut-on faire? J'ai encore mon plaid. Il faut faire des sacrifices. Je pourrais vous le montrer. Il y aura des pertes. Mais... le pouvoir du plaid. Il y a Lennon avec le pagne. Moi, c'est le plaid. Quoi qu'il puisse en coûter. Ah. Ok. Donc là, je retrouve mon armure d'or. Nous pouvons sauver des vies, si le chef de guerre de ma vie. Un instant. Voilà, re, chers amis, excusez-moi. Et celui que traque Baranor et ses hommes, ils auront besoin d'aide. Un chef de guerre n'y changera rien. Pour l'instant, ce chef de guerre est la plus grande menace pour Mina Sithil. Et là... il refuse de rester les bras croisés pendant que Baranor et ses hommes risquent leur vie pour le tuer. Bah, ils sont juste à côté. Ça va? Je pensais qu'il serait 10 km plus loin, vous savez qu'on devait se dépêcher pour le rejoindre, tout ça. Mais en fait, non. Baranor, ça va, Imhotep. Je veux aider, car ce chef de guerre ne se laissera pas faire. Nous en avons déjà vaincu, Rodeur. Je n'ai rien contre une lame de plus. Alors nous l'éliminerons ensemble. Je commence par les archers. Envoyez. Ils auraient pu ombrager un peu le visage des mecs, hein. Là, on a l'impression qu'ils rayonnent, les blancs. Sans vouloir être vexant, hein, mais... éliminer furtivement les archers. C'est parti! Peut-être que je vais apercevoir ce rôdeur. Mais lui ne m'apercevra pas avant que je lui tombe dessus. Ah bon? Bah voilà. Il y a un monsieur là-bas. Mais les rochers. Je veux les voir voler. Ah, le mec il aimerait bien utiliser une bête de siège, mais il aime bien aussi voir la bête de siège en action. C'est tout à fait compréhensible, je comprends parfaitement ce genre de comportement. En général, nous travaillons seuls.
J'espère que ces archers gondoriens visent bien. Sinon, nous esquiverons des flèches alliées. Ce sont des soldats aguerris. Ils sauront quoi faire. Hop. Sans problème, jusque-là. Par contre, je comprends pas pourquoi cet archer est tout seul. Alors, va-t-il bouger ? Le problème, ce serait que je m'approche et qu'il se mette à bouger. Hop, parfait. Tout va bien. Imhotep. Ok, t'es à genoux, donc le temps que tu te lèves, j'ai le temps. Hop, parfait. Un archer elfe vaut 3 archers gondoriens. Vraiment, seulement 3. Seulement 3. J'avoue, c'est je suis un peu d'accord avec ce qu'il vient de dire. Bon, on y va. Et de 1. Et de 2. On patiente un peu. Puisque là, il serait dangereux d'aller plus loin. 3. Qui se battent pour leur terre. Ce ne sont pas leurs terres. Quatre. Hop. Parfait. Alors j'ai pas l'intention de tirer sur les œufs de Gull. Hop, non, non, tu n'as rien vu, excuse-moi. Maintenant trouvons un point de vue. Oh. D'accord. C'est un artefact condorien ou... Non, c'est juste de l'or. Ok. Il pourrait tuer plus de vermines. Le voilà. Il faut faire signe aux hommes de Maranor. Appelez les Gondoriens. Alors ? Ah oui, d'accord. C'est parce que je restais appuyé sur le bouton. Qui va donc sans doute avoir une autre utilité plus tard. Ouh ! Dugog le sang-cœur. C'est tout. Dugog. Dugog. Défense et les réduire en miettes. Ensemble, nous, les capitaines et chefs de guerre réunis, on remportera la victoire. Ensemble, on prendra la cité à l'aube. J'adore TH. Pour le Gondor ! Tous ensemble. Maintenant, c'est le moment de frapper. Ok. Tu ne fais que retarder l'inévitable. Il est stylé. J'adore le combat à la double hache, je trouve ça super stylé à regarder. Je suis pas du tout fan, moi, personnellement, du style. Mouzou. Ah bon, bah écoutez, on y va là. Hop, niveau 5, tu reviendras pas. Alors, question. Est-ce que je peux prendre un pouvoir pendant un combat? Je peux, parfait. Ça c'est quoi? Consumation. Lorsque la potion, je l'appuie sur AV pour donner rapidement un ami en plein combat. Ça va être extrêmement utile. Pourquoi? Je m'explique. Quand on draine un ennemi, on récupère de la santé. Et donc, forcément... Vu la difficulté actuelle du jeu. Ah, je l'ai pas vu, mais... Merde. Hop, les, vas-y, bouffe. Voilà. Ah, c'était pas le mec que je voulais, celui-là. Dommage. Oh, bien joué.
C'est marrant, la caméra est extrêmement proche. Il suffit d'un coup, il s'en remet pas. Touché. Non, tu es à moi. Flac. Et boum. Ah non, y a pas de décapitation. Merde. Bon, par contre, je vais me prendre un truc à la con. Voilà. Ah bah merde. Je pensais qu'on allait pouvoir finir le combat. Quel dommage. J'espère qu'il y avait pas un bonus pour finir tous les autres. Le chef de guerre n'a pas dû aimer ni ses archers. Vous reviendrez chasser. Oui, avec grand plaisir. Il est sympa, Baranor. Hein. Il est peut-être un poil trop droit, vous savez. C'est des. Alors. Qu'est-ce que tu fais? A-t-on changé quelque chose? Ah, il lui en veut. Hein. Certaines choses nous échappent. Justement. Rendons visite à Aratnée. Si j'accepte de retourner là-bas, c'est seulement pour mon anneau. Assez! Tout ça dépasse ton anneau de malheur. Ou toi? Ces visions pourraient nous sauver la vie à tous. C'est troquer un seigneur des ténèbres contre un seigneur des ténèbres. C'est stupide. Je comprends pas qu'il voit pas aussi loin. Il avait appris, il commençait à comprendre qu'il pouvait voir de plus en plus loin. Grâce justement à la sagesse de Celebrimbor à la fin du premier jeu. Et pourtant. Attention, Talion. Par là. Tu lui fais trop confiance. Oui, je suis d'accord. Je ne peux pas ignorer ce qu'elle m'a montré. Cape de Rohirrim. Elle sera peut-être un peu plus puissante que la mienne. Oui, elle l'est. Par contre, c'est exactement la même, malheureusement. Nous avons ici, hop, une dague. Dague gondorienne. Qui est donc elle aussi plus puissante que la mienne et un peu plus gold. Ça va tellement avec mon armure. D'ailleurs, en parlant d'armure, je change d'armure, sans doute. Tugog, le sans-cœur, qui propose une armure un peu plus dark. Geler un ennemi pour avoir 7% de coup critique. Qu'un coup de... Ah, d'accord. Ok. Alors, c'est rigolo parce que regardez. Ah bah non, je l'ai plus. J'allais dire, c'est rigolo, j'ai une armure qui me permet en cas de coup critique de geler l'ennemi et une autre armure qui enflamme mon épée. Enfin, une autre arme qui, en cas de coup critique, enflamme mon épée. Mais non, ce n'est plus le cas. Donc bon, tant pis. On va aller récupérer la petite pièce qu'il y a là-bas. Mais non, tu n'as rien pu. Par contre, il y a un Karagor qui me vient dessus. Non ? Autant pour moi. Tu ne sers à rien. Toi non plus. Ok. Parfait, on progresse assez bien, je suis content. Je suis même assez content, je dois bien le reconnaître que là pour le coup. Alors, ce qui me dérange un peu plus. Le cas présent, c'est d'avoir une personne qui me surveille là-bas. Oh, abruti! Allez! Oula, il a perdu des capacités de déplacement. En mode bug, non? T'es quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Bon bah écoute, je vais l'obliger. Cet orque veut que nous le poursuivions. Prêtons-nous au jeu. Poursuis-moi si tu veux! Non, non, pas besoin. Non, non. Tu t'adaptes ou pas? C'est sympa quand même le fait de pouvoir vrai. Le commandant. C'est cool. Méfiez-vous
J'en ai prêt. Ouh. Ouh, ça a dû faire mal. Tiens, j'ai un marteau. C'est quoi ce bordel? Ça leur fait peur que je... Aïe. C'est ma faute, je l'admets. Ils ont peur quand je... Aïe. Aïe, et vous vous calmez les mecs. Aïe. Elle m'a rêvé une couille là. C'est pas ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû le... Oh! Mortellement brûlé! À mon avis, il va revenir. Soyons clairs. Aïe. Bah viens, je t'attends. Viens, viens, passe à travers les flammes. D'accord, même pas. Ok. De toute façon, j'ai toujours détesté... ces crevures. Aïe. Qui m'attaquait à distance. Mais bon, là j'ai réussi à m'en sortir, j'ai du bol. Il y a un truc qui brille au sol, c'est rigolo. Bannière. Ah non, je peux la péter, c'est ça. Bonjour. Non. Voilà, merci. Et donc, voilà, ça recharge bien ma santé, parfait. Ok, cool. Bon, moi je suis content, j'ai pu tester un petit peu le fait que ça recharge ma santé. Faudra que je pense bien l'utiliser par contre, et que je... Apparemment, le trigger de, les deux boutons est assez complexe, enfin... Et pas intuitif, c'est le X, et le A et le B, vous savez, sur la manette de Xbox One. Enfin, de Xbox, parce que moi, c'est une 360. Hein. Mais voilà, c'est pas les touches les plus faciles, je trouve, à... J'ai des petits doigts. À manipuler. Tiens, il y a un truc, là. Ça a l'air sympa, ça. Dommage que je sois prêt, juste à côté. La porte du traître. Ah. J'ai bien envie de faire ça. En plus, ça rapporte masse XP, quoi. Attendez. Est-ce que j'ai des points, déjà? Est-ce que j'ai quelque chose à utiliser? De l'inventaire? Oui, déjà, l'inventaire. Marteau martial. Effectuer un tir à la tête sur... Mais je capte pas. Je peux tirer des flèches avec un marteau? Les lancers chargés infligent des... Je capte pas. Maudisse les ennemis. Ouh. Bah je l'améliore celui-là. Ok, cool. La cape. La capuche. Jolie celle-là, mais ce sera pas ça. C'est un autre plaid. C'est un plaid noir celui-ci. ça c'est quoi? Oui, donc ça c'est... Oui, donc je préférerais peut-être mettre autre chose. Là c'est les armes, c'est... Ouais. Ouais, je préférerais mettre ça. Encore que... Encore que... Non, bah non, sur une dague, il faudrait mieux que je mette ça. Comme ça, quand je fais un assassinat, j'ai plus de chances de choper de l'argent. Ça peut être intéressant. Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Personnage, est-ce que j'ai des points à mettre? Presque. Je suis à quoi? Je suis à même pas 100 points, c'est la tristesse. Ok, bon bah du coup on aura bientôt ce truc là, ce qui est assez cool. Ce qui va nous faire gagner énormément de temps. Bon, nous disions. J'ai bien envie de me faire la petite mission secondaire, la blanche. Je sais pas pourquoi elle est blanche, peut-être qu'elle fait avancer l'histoire ou qu'elle facilite l'histoire.
Je ne sais pas trop. Mais je veux tenter ma chance. Hop les... Et je cours. Alors c'est quoi déjà le casque Afadad. Ah oui, exact. Tiens, je suis curieux. Je vais voir un truc, chers amis, je reviens. Re, chers amis, excusez-moi, je suis juste allé voir en fait dans mon encyclopédie pour voir si Aedir, Afadad, tout ça, Afadad, ça y était. Ça n'y est pas. Je suis assez déçu, mais bon, c'est comme ça, hein. Plus un point d'aptitude. Ouh, il y a différents trucs quand même. C'est peut-être intéressant d'aller faire ça. On va se faire les deux, c'est pas grave. On va aller se faire les deux, soyons fous. Hop. Puisque 500 points pour le bronze, 1 point d'aptitude et une rune pour l'or. Ça peut être intéressant, on va bien voir, on va voir si on y arrive ou pas. Afadad, la vertu de l'obéissance. Déjà à l'époque, il fallait aveugler les orques par une démonstration de force pour lever une armée dans le Mordor. C'était le but de l'unique. Ok. Faut que j'arrive à faire 4 éliminations furtives. Et à ne pas me faire repérer. Et ça part déjà mal vu qu'il me reste plus que 3 éliminations. Enfin, il me reste 3 éliminations furtives à faire. Hop. Plus que 2. Il y en a un autre qui arrive. Ok. Jusque là, ça passe. Hop, et c'est passé jusqu'au bout. Wouhou! On est trop balèze. Boum et boum. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Dans le Mordor, les orques n'obéissent qu'au pouvoir. Et on a enfin la capacité de débloquer Chasseur de trésors, ce qui va énormément nous aider. Il faut le dire. Parfait. Ça c'est quoi? Oiseau de proie. Pour ralentir le temps et viser quand vous êtes en... Ah oui, ça peut être extrêmement utile. Même s'il me faudrait plus de flèches. Mais je ne sais pas comment je suis censé faire pour avoir plus de flèches. Alors j'imagine que ça viendra en fonction de l'arc que j'ai. Ce qui serait pas si mal finalement quand on y pense. Du coup, brutalisation. Ah oui, alors ça, oui, l'appel de monture, forcément, ça va être nécessaire rapidement. Même si j'ai peur d'utiliser tout le temps, comme je l'ai déjà dit. Même si... d'agir pour l'honneur ou la vengeance. Oui, oui. Il est assez connu que les elfes aient peu de considération pour les déboires des nains et des... Et des... comment ça s'appelle? Des humains. Le chef des guerres a tendu un piège. Attirez-le en déclenchant un piège. Bête de siège ardente. Ouah, d'accord. Donc en triomphant des chefs de guerre en question, je réduis les catastrophes possibles sur les cités. C'est intéressant. J'aime beaucoup ce principe-là. Ça a un impact. C'est ce qui manquait dans Ghost Recon. Montrons-lui à quel point il se trompe. Ça, c'est sur ce jeu-là qu'aurait dû se baser Ghost Recon, un peu plus peut-être. C'est un peu fou de dire ça, mais...
Immobiliser les ennemis avec votre arc. Oui, mais c'est faisable. Trop dégueulasse. Et de 1. J'aurais dû prendre. Si j'avais le l'arc, vous savez, qui permet de tirer en vol, ça aurait été tellement plus pratique. Allez, retourne-toi que je rigole. Sans le temps que j'atteigne le coin là-bas, j'aurai le temps de faire mes kills. Merci. Allez! D'accord. J'ai pas osé l'immobiliser. C'était sans doute des rats. Tout compris, toi? Je peux pas. Ok. Je peux pas. Allez. Allez, fuis un petit peu. T'as un message urgent. Hop, non, non. Tu n'as rien vu, rien entendu. Ok, on y est. C'est la reine. Donc déclencher le piège, j'imagine. C'est rentrer dans le truc. Non, tu peux bien l'enlever le. Oh putain. Voilà, merci. Il y a déclenché le piège et déclenché le piège. Grimper au sommet d'un. Ah oui, il y a un monument ici. Détruire. Blah. Voilà. Aïe. Ah oui, je les récupère automatiquement. Je suis en train de chercher des yeux comme un abruti. Hop là. Puis je peux déverrouiller une aptitude. Hop là. Désolé. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va déclencher le piège. Salut les filles. Snafu le mort. Le mort. Alors ce qui est triste, j'aurais aimé pouvoir faire pause. J'ai un pété. Une statue de la tribu des ténèbres. Et c'est un tribu. Je sais ce que c'est le tribu terreur qui arrive. De se relever. Les nécromanciens me font revenir sans cesse, depuis 1000 ans au moins. Viens donc, petit. N'empêche qu'il a peut-être conscience de ce que c'est que 1000 ans. Je vais te montrer la mort sous un angle. Irrévocable. Il est stylé quand même. Bon allez. On y va. Oh
un autre. Les pieurs. Alors par contre ça m'emmerde. Pourquoi mes ennemis ne comprennent jamais? J'avais juste... Ah, il y a un monsieur qui apparaît. Pourtant, qui redisparaît. Il encore mes qui redisparaît. Ça c'est un vrai ninja. Hop. Désolé la bête. Oh, j'ai appuyé sur Y. J'ai appuyé sur Y. Tu te calmes. Merde. Bah, je vais me faire bouffer. C'est débile. C'est débile. Tu mâches le bouton, mais le bouton B sort juste après. Le même bouton sort juste après. Donc t'appuies sur le bouton et tu meurs. Aimer jusqu'à l'impossible. Aimer. Se dire que c'est possible. Les orques légendaires. Y'en a pas. Par contre il est stylé maintenant, il est en or et tout. J'avais pas l'impression qu'il était en or avant. Mais ouais, je suis désolé, je trouve ça dégueulasse. Peut-être que mon avis hein, mais... Là, pour le coup, je trouve ça vraiment dégueulasse. Alors, où est-ce qu'il est? Pouah, il est arrivé là, en plus. Bon, bah, on y va. Mais là, franchement, je suis pas... Ça me plaît pas. Je trouve ça vraiment mal fichu. Mais bon, je vais me venger. Il faut faire demi-tour. La ville a besoin de nous. La terre du milieu a besoin de nous. Mina Sithil est la première victime d'une longue campagne. Un banquet. Je ne sens pas ce qui est en train de cuire. Et je ne sens pas ce qui est en train de cuire. On va prendre ça. Qui sait, ça peut être utile. Ravi. Coucou. Je vais bourrer, hein. Là je suis désolé, je bourre, hein, chers amis. Je suis un peu déçu. T'es censé mourir, toi, par contre, au bout d'un moment. Voilà. D'accord, donc il est toujours avec son pote. Voilà. Salut les filles. C'est que tu es un jeune mort. Mais pas moi. Non. Assieds-toi et on s'occupera de se battre tout à l'heure. Ça me chatouille encore plus quand je me touche, c'est rigolo. Je m'y attendais. Bah, ce qu'il dit comme ça est assez bizarre. Enragé par son rival. Chacun son boulot et le mien c'est de m'assurer que tu ne pourras pas passer. Vous ne passerez pas. Ah bah je l'ai eu. Cool, bah j'ai eu celui qui était potentiellement plus dangereux. Hein. Voilà. Quoi? Quoi? T'es censé brûler? Merde, j'ai plus de tir d'elle. Eh ben non. Allez, c'est ta fin. Non, toujours pas. Merde. Ça y est, là je t'ai eu. Bonjour. Des marins entre les terres de la vie et de la mort. Prends ma tête que je dorme. Oh, il réclame. Ah, j'ai pas réussi, je l'ai tranché.
Non, je l'ai pas tranché. Donc j'ai pas réussi à prendre sa tête. Dommage. Il va sans doute revenir alors. Et vous voyez le temps qu'on gagne dans un jeu à pas s'arrêter pour piocher les objets. C'est ce que je veux dire. Marteau de condamnation, d'accord. Il fait moins mal que le mien quand même. Le mien fait 197 de dégâts quand même, c'est pas rien. Ça c'est stylé en termes de... Enfin bon. Alors vous voyez, ceux-là sont orange, celui-là est jaune, rare, d'accord, ok. Voilà, ça répond à la question. Hop, 43, déverrouillage, 10 coups critiques. Fâche. C'est pété, je trouve, comme pouvoir. Je vais garder ma superbe épée quand même que j'ai actuellement, mais je trouve ça un peu pété comme pouvoir. Ok, bah je suis bien content d'avoir réussi. Pourquoi lui est gris aussi? Un capitaine mène une chasse au grog. Bon, ça m'intéresse pas forcément. Ça c'est quoi? Ah mais du coup, attendez. Peut-être qu'il y a d'autres capitaines à... Ah bah non, ils sont tous... Ah si, encore lui. On fait des quêtes pour interagir... Ah bah voilà. Ok, bon bah voilà, il n'y a plus que des quêtes à faire maintenant. Alors je suis assez content parce que maintenant on va pouvoir avancer dans le jeu. Mais ça, chers amis, ce sera pour le prochain épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Voilà, salut les gens!